Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel comment réaliser ce bracelet en tressage épi de blé. Voici le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser ce tutoriel. Alors on va prendre deux couleurs de fil. Vous allez prendre 150 cm de chaque fil, de chaque couleur. Ici un fil de créa-corde bleu et un fil de créa-corde rouge. On va donc commencer par doubler les fils. Vous allez prendre le fermoir et insérer vos fils à l'intérieur en faisant tout simplement une boucle en passant vos fils à l'intérieur de votre corde. Pour le fil bleu, vous allez l'insérer dans le fermoir de chaque côté des deux fils rouges centraux. Pour pouvoir commencer le tissage, en ayant les deux fils rouges centraux et les deux fils bleus à l'extérieur. On va commencer par bloquer le fermoir à l'aide d'un scotch ou d'un petit peu de pâte à fixe pour pouvoir commencer le tressage. Nous allons voir ensemble le tissage qui est un petit peu plus compliqué que les tissages que je vous ai présentés dans les vidéos précédentes. Alors, pour commencer le tissage, on va prendre la corde rouge de droite. On va venir faire une boucle et la faire passer en dessous de tous les fils. Et par-dessus le fil bleu. On va prendre la corde rouge de gauche, la faire passer en dessous les fils. Puis la faire passer entre le fil rouge de droite et le fil bleu pour pouvoir faire un nœud. De l'autre côté, on va faire passer le fil rouge, pareil, dans la boucle entre le fil rouge et le fil bleu pour pouvoir faire un nœud. Ensuite, il ne reste plus qu'à serrer les fils. On va donc alterner les couleurs comme ceci, en faisant les boucles avec le fil rouge, puis avec le fil bleu. Je vous remontre encore une fois au ralenti. On prend le fil bleu de droite. On vient faire une boucle autour des fils, on le passe en dessous. On va prendre le fil bleu de gauche. Et on va venir faire une boucle sous le fil rouge. Et venir faire le nœud dans la boucle bleue entre le fil bleu et le fil rouge extérieur. Il ne reste plus
qu'à serrer les fils et à continuer le tissage jusqu'à obtenir la longueur de bracelet désirée. Voilà, donc pour terminer le bracelet, on va venir couper les fils à peu près à 3 ou 4 cm après la fin du tissage pour pouvoir les insérer dans le fermoir et pour pouvoir les bloquer en les passant à nouveau dans les dernières boucles du tissage. Pour insérer les fils à l'intérieur des dernières boucles, vous pouvez vous aider soit d'une aiguille ou d'un trombone pour pouvoir passer les fils. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à bloquer les fils en coupant à ras et en les bloquant à l'aide d'un briquet. We'll be right back.
Voilà pour ce nouveau tutoriel Créacord de tressage de bracelet en forme d'épi de blé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Vous verrez à la fin de cette vidéo qu'il est possible aussi de porter le bracelet en deux versions, c'est-à-dire en tissant soit d'un côté ou de l'autre. Vous verrez que ça donne deux versions. C'est assez joli de le porter d'un côté ou de l'autre. Je vous dis donc à bientôt pour plein de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt!